Quand on gagne un match en marquant 3 buts et en encaissant aucun, je crois que ça fait partie des très très belles soirées pour nous. Oui. Moi déjà, ce qui m'importe, c'est la performance de mes joueurs. Ce qu'il faut surtout souligner, c'est que par rapport à l'équipe de vendredi contre Monaco, il y avait 6 changements pour X raisons. Il y avait quand même pratiquement tout le milieu de terrain qui était blessé ce soir. Et donc quand on voit la performance de ceux qui sont rentrés à tous les postes, ça montre que Amiens a un véritable groupe. Ce que je dis à mes joueurs, c'est que on pourra valider le maintien d'Amiens en Ligue 1 que s'il y a la force collective d'un groupe. Ce soir, ils l'ont montré, ils ont fait une prestation collective de haute volée. Donc je pense que c'est une victoire méritée. Et elle fait du bien, certes, bien sûr, sur le plan comptable. Ce que j'avais dit, c'est que vendredi, on avait fait une super performance, mais on se retrouvait pour la première fois relégable. Je crois que ce soir, cette victoire vient valider aussi la continuité du match de vendredi et d'autres. Hein. Voilà, je crois que j'espère du moins, et ce que j'avais dit aux joueurs, que pour une fois, c'est pas l'adversaire qui a raté son match, puisque chaque fois qu'on gagnait contre Bordeaux, contre Nice, ou qu'on faisait un bon match contre Monaco, c'était parce que l'adversaire avait raté son match. J'avais dit que j'avais la faiblesse de penser que si l'adversaire a raté son match, c'était peut-être qu'on y était pour quelque chose. Donc, ce soir, on a délivré une grosse prestation et je pense que c'est une victoire logique, oui. Tout le monde travaille sur ses propres qualités, sur aussi ce qu'on pense être les faiblesses de l'adversaire. Nous, on savait que Lille avait une très grosse possession, une équipe qui aimait avoir le ballon, mais par contre qui était capable qui jouait sur les déséquilibres, que ce soit ceux de l'adversaire ou les siens. Il fallait pas tomber dans le piège des déséquilibres. Et par contre, dès qu'on pouvait, il fallait s'engouffrer dans les déséquilibres qui nous laissaient. On a su le faire. On sait l'importance de mener au score dans un match. Je crois que le second but d'Harrison, il fait très mal à la tête des Lillois, puisqu'il nous transporte au niveau de la confiance, parce que quand on marque au retour juste des vestiaires, c'est plus du tout le même match derrière. Nous, on a appris à attendre que Lille vienne se casser les dents pour les prendre en transition. Je crois que sur les transitions, je crois que on a su le faire, même avec un peu plus de justesse, on aurait pu mieux le faire sur certains coups, mais bon, on ne va pas faire la fine bouche, on est très très heureux de la victoire ce soir en marquant 3 buts.